Salut les gars, ça fait longtemps qu'on vous a pas donné de nouvelles. Ça fait un mois qu'on est arrivé dans un pays dont on rêvait. C'était vraiment une étape clé lorsqu'on avait défini notre itinéraire. C'est un pays dont on m'a beaucoup parlé au cours de ces dernières années. J'ai rencontré pas mal de voyageurs qui m'avaient clairement dit que c'était leur pays préféré. On m'avait aussi bien sûr parlé de cette hospitalité légendaire qu'ils me targuaient de découvrir de mes propres yeux. Et ouais, je peux aussi dire que dans ce voyage, j'avais vraiment soif d'Orient, tu vois. J'avais vraiment envie d'aller plus vers l'Est. Et c'est vraiment un pays qui me donnait envie, tu vois. Le pays des mille et une nuits, le pays des mille merveilles. J'avais vraiment envie de me retrouver là-bas, de parcourir les bazars, les villes, le désert. Donc là, voilà, ça fait un mois qu'on est arrivé en Iran. Il nous reste encore deux mois pour parcourir le pays. Donc en fait, on fait cette vidéo pour te donner déjà quelques nouvelles et aussi te parler de notre projet ici. Qu'est-ce qu'on fait en fait concrètement en Iran? On a un projet de 4 documentaires d'une durée de 40 à 60 minutes chacun qui porte sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur quand on faisait nos recherches, le nomadisme en Iran. Il s'agit pour nous d'aller à la rencontre de différents peuples qui ont gardé ce mode de vie traditionnel, d'observer, de comprendre leur mode de vie, mais aussi de s'immerger totalement dans leur société en prenant part à leurs activités. Le nomadisme, c'est vraiment quelque chose qui nous faisait rêver. Finalement, on n'y connaissait pas grand-chose avant de venir ici. Ça fait partie intégrale de la société iranienne, puisque de façon historique, plus de la moitié de la population était des nomades. Notre approche, c'est non seulement de s'intéresser à ces modes de vie qui sont vraiment particuliers et absolument fascinants, mais c'est aussi de tout faire pour s'immerger à part entière dans ces sociétés et de devenir à notre tour nomade le temps de cette immersion. À l'heure où je te parle, on en a déjà tourné deux et on est en train d'entamer le troisième. Alors on peut peut-être se dire que 4 documentaires sur le même sujet, ça peut devenir répétitif, parce que en soi c'est le même mode de vie, mais la grande différence réside dans le fait que ce sont des peuples et des ethnies totalement différentes, et donc des langues, des cultures, parfois même des croyances qui sont aussi totalement différentes. Alors même si avant d'arriver on avait tout un imaginaire autour du nomadisme, particulièrement en Asie centrale, on connaissait pas forcément cette facette en Iran, et le fait d'avoir pu expérimenter ça, d'avoir pu observer de nos propres yeux pendant des semaines, ça nous a vraiment permis de comprendre profondément ce qu'est le nomadisme de nos jours. Tu vas voir, sur certains aspects, c'est totalement différent de ce que l'on pouvait imaginer jusqu'alors. On ne s'est pas contenté simplement d'avoir une approche anthropologique, d'avoir une approche d'observateur. On voulait vraiment s'immerger en fait dans leur société, dans leur culture. On a pu traire des chèvres, monter une yourte, tirer au fusil, danser à un mariage spécialement géant, vous allez voir ses talents de danseur. C'était intense, j'ai même fini à l'hôpital, je vous en dis pas plus pour l'instant. Je suis extrêmement enthousiaste quand je parle de ça, j'ai toutes les images en tête, je sais ce qu'on a vécu. C'est vraiment, mais ça me donne les frissons et ça me tue de montrer un aperçu parce que j'aimerais te laisser la surprise totale, mais je vais pas tout te montrer, je vais te montrer seulement quelques images pour te donner envie. Ce mode de vie est en train de disparaître, notamment à cause de la modernisation de la société iranienne, mais aussi à cause de la sédentarisation forcée au cours notamment du 19e et 20e siècle. En ce qui nous concerne, c'est vraiment une chance de vivre ça à travers ce voyage, non seulement d'en être témoin, mais aussi d'en faire partie le temps de ce séjour en Iran. On le constate, il y a de moins en moins de gens qui sont intéressés par ce mode de vie parmi les nomades. Entre les recherches qu'on a fait, entre les archives, entre les témoignages d'il y a même pas 30 ans, la société est totalement différente. On voit les photos d'alors, il y avait beaucoup plus d'animaux, de chameaux, de chevaux. C'est comme un devoir pour nous d'archiver, de filmer, de rendre témoignage en fait de ce mode de vie actuel qui peut-être dans 30 ans, dans 50 ans, dans un siècle n'existera plus. Je pense que nous-mêmes, nous trois, mes frères et moi, avons beaucoup appris des nomades, beaucoup appris de leur mode de vie, des efforts qu'ils font pour arriver à conserver leurs traditions,
Les nomades, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément l'occasion de rencontrer beaucoup de voyageurs, beaucoup d'étrangers. Et cet échange-là, dans notre voyage, où on est nous-mêmes en quelque sorte nomades en voyageant de France jusqu'en Corée, c'est quelque chose de très intéressant qu'on a à cœur véritablement de vous partager. Et je pense que ça peut te parler à travers nos étonnements, nos questionnements, nos difficultés aussi à pouvoir les rencontrer, à vivre avec eux, à se questionner aussi sur notre propre mode de vie. Tu vas te reconnaître, je pense, dans toutes ces problématiques. Je tiens à souligner aussi qu'on va bien au-delà du folklorique. C'est pas inintéressant en soi, mais on essaye de trouver l'authenticité, véritablement d'aller sur place, de faire des recherches, de savoir où ils sont, de pas se contenter seulement d'une expérience avec une famille, mais de rencontrer plusieurs familles qui vivent différemment, qui font des choses différentes, selon les environnements aussi, selon les périodes, selon les saisons, que ce soit vis-à-vis des moutons, que ce soit vis-à-vis de la pluie, du soleil, de tout cet environnement. On se met dans ces conditions-là, on cherche l'authenticité, c'est notre ligne directionnelle, vous pouvez nous faire confiance là-dessus. Et cette quête d'authenticité, ça nécessite un grand sacrifice et on n'a pas toujours eu des réussites. On s'est tapé mais des milliers de kilomètres, mais littéralement des milliers, parfois sans trouver personne, parfois en trouvant des choses qui n'étaient pas spécialement intéressantes ou beaucoup moins intéressantes que ce que l'on pensait. On a eu beaucoup de difficultés physiques aussi, que ce soit pour loger, pour dormir, pour manger. Aussi ces efforts relationnels, c'est très complexe. Ils se demandent qu'est-ce qu'on fait là, et ils comprennent pas en fait l'intérêt que des étrangers peuvent avoir pour leur mode de vie. Il y a tout cet ensemble d'efforts, de sacrifices, de temps perdu aussi, de questionnements. Parfois on est fatigué, parfois on a faim, parfois on s'ennuie, parfois on ne sait pas où on va, parfois on désespère aussi. Il y a beaucoup de moments où on se dit, mais on en a marre. On en a marre, on a envie de rentrer sur des chemins battus, sur des chemins beaucoup plus faciles en fait. Parce que cette quête d'authenticité, il n'y a aucune garantie. On va dans les montagnes, on va dans les plaines, on va dans des endroits où on n'est même pas sûr d'en trouver. Il n'y a aucune garantie. On ne sait pas sur qui tomber, on voit des dizaines de tentes, on ne sait pas où aller et on ne sait pas si ça va bien se passer. Et même au niveau de la sécurité, on ne sait pas. Mais comme je le disais avant, c'est extrêmement gratifiant quand on réussit vraiment à avoir cette disposition de cœur avec les nomades. Comme tu peux t'en douter, un tel périple, ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. J'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les personnes qui nous encouragent et nous soutiennent depuis le début de ce voyage. C'est grâce à vous qu'on arrive à faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. On a un mode de vie dans lequel on serre beaucoup la ceinture, on n'achète que le nécessaire, mais c'est véritablement pour ça qu'on arrive à faire ces documentaires. Et c'est sur ces documentaires qu'on veut mettre l'accent dans notre budget et non pas sur notre confort. En général, on dort à la Belle Étoile, dans notre tente ou chez des locaux qui nous ont accueillis gratuitement. Donc on n'a pas vraiment de frais par rapport à ça. La plupart de nos dépenses aujourd'hui, c'est pour l'entretien et l'essence du véhicule, pour la nourriture, pour le matériel audiovisuel et pour les frais administratifs qui étaient plutôt élevés en Iran. En tout cas, si ça te parle et que tu as à cœur de nous soutenir pour ce projet en particulier, sache qu'on a une page Tipeee. Je te mettrai le lien en description, mais en gros, c'est un site qui permet de faire des dons, soit ponctuels, soit récurrents. Et sache que le moindre coup de pouce, même la petite somme qui peut te sembler totalement dérisoire, bah pour nous, en fait, c'est une aide qui est inestimable. Pendant ce voyage déjà, il y en a beaucoup qui nous sont venus en aide et on est vraiment reconnaissants. On a vraiment besoin de toi pour pouvoir réaliser ce projet au mieux et pour pouvoir continuer à fournir un travail de qualité. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te mets tous les liens en description et je te remercie du fond du cœur.